un Italien pour qui j'ai fait le photographe. Et voilà donc la route. 4h55 depuis Marabout. Elle s'est repartie. Voilà, quand je vous dis que le trailer est devenu le premier pollueur des sentiers de la Réunion. Ce qui n'était pas le cas avant. Et bon, depuis un an, il a dépassé le chasseur. C'est malheureux. Mais c'est comme ça, le trail ne fait pas exception au reflet du monde. Donc revenons au Taillebite. Le départ est chiant. 15h première minute, les marches sont hautes. Mais sinon, si vous n'êtes pas trop fatigué, il n'est pas si dur que beaucoup de gens le disent. Après l'île des Trois Salazes, vous aurez des parties en balcon, même des petites descentes, de la reprise. Bref, ça va quoi. En fait, il est dur quand vous êtes naze. Ce qui m'arrive l'an dernier, dès les premières marches, j'avançais plus. Je me suis traîné comme j'ai pu à l'île des Trois Salazes. J'ai sorti le pull. Et j'ai dormi une heure. Je suis reparti. Arrivé à la boutique des Trois Salazes en pleine nuit ou en début de nuit. Il y avait un feu, une bonne tisane ascenseur, j'ai pu me réchauffer. Et je suis reparti pépère vers Marla. Et ça m'a fait du bien. Quand vous avancez plus, quand vous dormez debout, dormez 15 minutes, une demi-heure, dormez, vous allez voir, ça fait un bien fou. Et regardez comme c'est facile le Taillebite. Il y a des parties qui se courent. Et des parties qui vont mieux marcher. Allez, à plus.